ça y est, là. Là, ça y est, là. Bon, bah, les gars, messieurs, on est dans le cas. Il y a un appel. Oui, allô. Non, la sauce. Il y a du quoi? T'as pris le jus? C'est trop la merde, en vrai, putain. Moi, quoi? Why? Ah ouais, ah, ok. C'est pas des petites planches. Bah, je crois qu'on peut pas. Pour bon. Je sais même pas comment démarrer le truc. Moi non plus, je sais pas comment démarrer. On a un instant crucial là. Là, il est 17h53. On est le vendredi 5 mars. En clair, les gars, on est à un stade là. Ouais, c'est vrai. Où je te laisse le dire. On est à un stade où on n'a plus qu'à signer le bail. Oui. C'est-à-dire la dernière étape, soit mettre notre signature, récupérer les clés et c'est bon. Je suis tellement, ça me semble surréaliste. Ouais. Et là, j'ai le sentiment que potentiellement on est en train de tourner ça et que dans 3 jours on va être là. T'es un casse les couilles, on a pas le local. J'ai trop peur de ça, mec. Bref, ça fait trop longtemps qu'on l'attend. On est trop motivé, on est surmotivé. On a des mille et une idées qui sont venues à chaque fois qu'on en parle de cet endroit. Ouais. Et bref, ah, voilà. C'est fou. C'est, ça va être. Je vais pas utiliser. Aïe. Bon, il y a une visite ce matin. Je vais aller rejoindre Mastu et Thomas qui sont sur place déjà. Et en même temps, je descends mes poubelles. Voilà, c'est ça la vie de star aussi. Hein. Donc bref, on a reçu le bail hier et là, petite visite avec Thomas, Mastu, pour voir un peu ce qu'on va pouvoir faire, comment on va découper les espaces. Et bref, c'est la dernière visite avant de signer. Faut raconter quand même quelque chose, c'est que Théo, il était prêt à signer le bail, il a même pas vu le local. Et vous voulez que je dise, même moi je l'ai pas vu en entier vraiment. Donc ça va être la première visite réelle de ce local. Oh là, c'est arrivé ici là. Ok. Qui c'est qui pleure? Bon, on est le lundi 15 mars et demain à 9h on va faire l'état des lieux du local et normalement on signe le bail. Et qui dit signer le bail et qui dit faire l'état des lieux dit récupérer les clés. Et pour l'occasion, qui dit clé dit peut-être un petit porte-clés, mais un bon petit porte-clés, un petit porte-clés un peu voilà, saucé un peu. Je voulais un porte-clés de luxe. Parce que c'est pas n'importe quel local, c'est le loot, c'est le local of all time. Il faut le porte-clés of all time, le pot, le pixot. Et du coup, il y en a un noir et un blanc, et je vais offrir un des deux à Théo. Je sais pas lequel en vrai, mais ce sera un des deux. Demain, signature du bail et état des lieux. État des lieux, ça veut dire on va voir un petit peu tout ce qui fonctionne pas, etc. etc. Et puis, bref, il y a tout ça, il y a plein de trucs un peu chiants à faire, mais c'est l'aventure et c'est lourd. J'ai pas beaucoup dormi. Théo non plus. Là j'attends Théo, on va monter faire l'état des lieux et tout, et après bah on aura les clés quoi. Là c'est le début de... Franchement je crois que je réalise vraiment pas en vrai. Premier degré là, je réalise vraiment pas. Ah. Ouais t'es où gros? Je suis juste devant moi. Ok vas-y bah j'arrive là, je suis à pied. Par contre j'ai tilté que j'ai pas de stylo, bon je pense qu'ils en ont mais... Franchement gros je pense qu'ils en ont. Ah bah t'es juste vas-y, là gros. T'étais bien fait chier dessus là sur le... Ouais j'ai l'impression hein, ouais, j'espère ouais. Pas trop me faire chier dessus autre que la voiture tu vois. Ah ouais parce que là je vois putain. Mais c'est pas possible, ils ont mangé des laxatifs, c'est pas possible. Comment ils peuvent se réunir et chier autant? Mais ils sont déjà en haut, faut les appeler ou ça se passe comment? Ah si ça se trouve ouais. Oui salut Alexis, c'était pour savoir, ça va et toi? Oui très bien. On est en bas du coup pour signer le bail et faire l'état des lieux. Je sais plus du tout si ça se passe avec toi ou pas. Vous avez dû vous tromper de porte non parce que j'y suis. Ah bah on est vraiment... Oh, les gars, ah bah voilà, on est juste devant, on est là. Il m'a mis un coup de pression là. Vous avez dû vous tromper justement. Ouais, de quoi c'est... Finalement c'est pas ce loco là en fait, c'est un loco qui se trouve à un local qui se trouve à... Vous avez pas compris, en fait la signature elle se fait à Nantes. En fait là c'est le local de démonstration mais le vrai local il est à Nantes. Pardon monsieur. Vous voyez que c'est... dans nos cerveaux on imagine tous les scénarios possibles qui peuvent annuler ce qu'on est en train de faire. C'est horrible. J'ai envie de mourir là. C'est vrai tu vois. Pour la cam. Yo les gars, on vous emmène. On y va ? Voilà, là il y a une petite clause, hein. Parfait. Ah, comment ça ? Non, rien, c'est ok. Mais t'avais l'air hyper enjoué quand j'ai signé. Yes. Je te cède 100% des parts de ma société, c'est non. Bizarre. Non, je te pose pas trop de questions. Ouais, okay. Franchement. Ouais. Bon bah, je fais confiance alors, je fonce. Ok, super. Et donc les deux chèques, s'il vous plaît. Allez.
Tu te rends, gros. N'importe quoi. Donc ouais, à Angers, on est le combien? On est le 16 mars. 16 mars. Okay. Merci. Bon bah les gars, messieurs, félicitations. Voici votre plateau de bureau. Ça y est. Ça y est, ouais. Et là, il n'y a plus rien à faire, ça y est. C'est à vous, maintenant, vous n'avez plus qu'à aménager, à faire ce que vous voulez sur le plateau. Okay, et faire ce que vous aimez. Bon, je vous laisse. Ouais, ça marche. Merci, Alexis. Un mot? Bah, non. Il est parti. Je peux pas crier, j'ai mis. Je suis encore sous le choc là. Ah, mais moi aussi, hein. Mec, on est dans les locaux tout seul là. Ça fait, c'est incroyable. Je peux enlever mon masque, ça y est. Tu peux enlever ton masque, ça y est. On est chez nous là. On est chez nous, mec. On est chez nous là. Ça veut dire que. Genre, mec, ça veut dire. J'ai oublié la cam. Ok, premier Uber Eats. Je vais le chercher. Vas-y, à tous. Il a pris une bouteille d'eau. Quel mec, Elsie, sérieusement. Il commence pas bien cette aventure quand même. Merci, bon courage. Hein. Il ne sait pas. Il ne sait rien de ce qui se passe, mais je vais lui amener le petit cadeau. Oh, quel dingue. J'ai pas repassé mon t-shirt. Voilà la commande, beau gosse. Aïe, 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 aïe. La toute première. Bon, par contre, là, on a toutes les clés, là. Ouais. Je fais un petit truc, parce qu'avec les clés, on est obligé d'avoir quelque chose avec les c'est clés. C'est quoi, Stone Island, t'as fait quoi? Je me suis dit, c'est pas n'importe quelle clé. Ah mais t'as prévu un truc sur Stone Island, t'as dû payer, c'est une blinde. Ouais, complètement. Ouais. T'inquiète, c'est moi. Attends, mais tu l'avais vu quand même. J'ai le blanc, gros. Oh, aïe, 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 aïe. Le porte-clé. Putain, c'est dommage qu'ils soient pas tous là, en vrai. J'ai trop envie de dépôt d'ouvrir une bouteille de champagne avec tout le monde. Il va falloir tout construire en attendant. Mec, j'ai déjà instantanément, j'ai envie d'aller, je crois que je vais y aller. Je vais les voir au-dessus, je vais leur dire. Je vais aller leur demander avant qu'il soit midi, là. Le nom de l'architecte. C'est parfait, ça. C'est parfait, ça traîne pas. Tu l'aimes bien pour te plier? Oui, il est trop lourd. Trop lourd. Les clés du lot. Oh, c'est le premier lancer clé. C'est vrai, tout est les premiers trucs. C'est là. Tous les premiers là. Putain, je vais pisser pour. Gros, c'est le. Ouais, c'est... tu vas pisser là? Ouais. Vas-y, j'arrive pour vlogger là. J'arrive pour vlogger là. Non, mais gros. Non, c'est moi le premier là. Non, mais pas. Ça, c'est un truc bizarre ça. Wouh. On peut gueuler, mec. C'est la première tache de café par terre. Sur le premier, sur le truc là. Comme des chats, c'est. Gros, c'est vraiment des actions bizarres que tu fais. Comme des chats, genre. En gros, par contre, on a une tache, ok, mais là c'est. La première tache sur un t-shirt blanc ou l'autre. Ça va, gros? Elle est belle en tout cas, elle est belle. T'en as mis une petite deuxième au sol aussi. Là, tu inaugures beaucoup de choses là quand même. Mais attends. Oh putain, il était pas fermé mon. Bien vu. Tout à l'heure, je bois, je me fais couler dessus. Bien vu, chacal. Je peux pas aller voir les voisins, ça veut dire. Ça veut dire, moi je suis banni là. Là, je peux aller voir personne. Faut que je rentre chez moi, que je change de t-shirt. Je peux pas aller monter et dire. Excusez-moi, vous avez le contact des architectes d'intérieur, s'il vous plaît? Ça peut pas. C'est plein de choses à apprendre, ça. C'est plein de choses à apprendre, mais qu'est-ce qu'on demande à ses voisins pros? Quand t'es chez toi, t'es dans un immeuble ou quoi, à tes voisins, tu vas demander du lait, de la farine, des. Je sais pas, des œufs, des. Moi j'ai demandé des poivrons une fois. Là, tu demandes quoi à un voisin pro? Je vais monter, je vais dire, vous avez un smoking? Ça me casse les couilles, ça, hein. Vraiment. Bon, commencez l'aventure dans ce putain de local qui est magnifique. Et là, je suis là en train de dire, ouais, les gars, c'est quand même une aventure formidable et tout. Et j'ai une vieille tache de café sur mon t-shirt. J'ai le seum. C'est vrai qu'elle est vraiment, gros, elle est. T'aurais pas pu. Qui m'empêche de me mettre torse nu ici maintenant? Personne. Après, peut-être ta monétisation YouTube. On voit pas. On voit pas. C'est incroyable. Alors qui m'en empêche? Ah, c'est incroyable. Personne. Les gars, il est torse nu, il a v'là les abdos, vous voyez pas là, v'là les abdos, vous voyez pas, des là. Pectoraux en acier. Je vais juste monter mon bras, ils vont être choqués. Oh, yeah, 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 yeah. Je vais compresser un peu, tu vois, ah, piston ouais. Là. Moi, regarde, c'est mon zob. Et quoi? Quoi? C'est un vrai? Ouais. Bon. On est dans le cas. Oh, comme ça résonne. Vas-y, tiens, je t'ordonne ta cam. Faut que j'aborde ça, faut que je coupe ça, bon. Faut que je me casse, là. Je vais rentrer chez moi, laver mon t-shirt, et ce soir, on est de retour. Je sais pas si je filmerai ou pas, mais il y a peut-être moyen, parce que là, on est trop excités, on a envie, évidemment, de tout filmer ce qu'on fait. De toute façon, ce sera le but des vlogs chaque semaine. C'est le jour 1. On a signé. Ce local est à nous. Et il va s'y passer, je l'espère, de belles aventures. On a des dingueries. Des dingueries. Je veux des dingueries, là. Théo est parti, là. Il avait un tournage à faire. Et je suis au téléphone avec EDF. Est-ce qu'il faut bien prendre un. Il faut qu'on ait l'électricité là. On a toujours pas vu l'allumer là. Cambriolage et d'incendie. EDF vous fait profiter de vos fonds de risque. Bénéficiez de 3 mois offerts pour
présenté par le numéro 1 en France de la télésurveillance. C'est long. Nous vous invitons à vous munir de numéro Sirette. Comment ça va? On est vendredi. On vient d'avoir... Oh ah. Est-ce que c'est possible dans ce Ok, on est vendredi, on a eu les clés mardi, donc là on est en train de s'occuper de la fibre. Et en fait il y a Arnaud qui est de passage, parce qu'il est venu visiter des maisons, des apparts. Et Arnaud il est au téléphone avec un opérateur. Moi j'étais au téléphone avec un opérateur, et Théo. Parce que là en fait le problème c'est qu'on a que des petites désillusions, genre on nous annonce qu'on va avoir 30 mégas en fibre à partager avec tous les gens du local genre. Et voilà, non. Je vois la tête de Théo et je pense que c'est une mauvaise nouvelle, honnêtement, je vous dis la vérité, parce que regardez sa tête. Moi j'ai une nouvelle plutôt cool. Au lieu de trouver un opérateur comme Orange Fibre qu'on prend chez nous, ouais. Orange Bouygues ou quoi qu'on prend chez nous, on s'encule. C'était la première option, okay. J'ai proposé à Arnaud, il était pas chaud, je sais pas si t'es chaud. Bah vas-y. On a la place en plus là. On se met dans quelle semaine? Dans le Thomas? Ouais, dominé ou dominant? Les deux, je suis versatile. Ok, pareil, bah écoute, c'est parti. Ok. Bah ça a pas changé grand chose, j'ai des courbatures là. Attends, j'arrive, je vous laisse. Non, non, t'inquiète. C'est juste qu'on a testé une première solution pour la fibre et elle est pas... Tu veux essayer avec moi, Théo, au cas où, pour voir si... Sinon, on s'assoit dans une salle adéquate. Ouais. J'ai acheté un fauteuil de... Vas-y, les gars, bah, posez-vous dans le train TGV, là. Vous avez votre TGV Max ou pas? Ouais, c'est bon. Bah. Le voyage se déroule bien, messieurs? Super bon. Vous avez votre ticket? Tiens, regardez. Vous avez une carte de réduction jeune? Non, j'en ai pas. Vous avez envie d'un petit peu de thune? Je suis pété de thune, donc c'est good, quoi. C'est quoi, ce soir, je te mange le cul? Non, ça, non. C'est ma mère, ouais. C'est trop la merde en vrai, putain. Ouais, et ben... Est-ce qu'il y aura une solution à cela? Est-ce qu'on va pouvoir trouver un partenaire qui va nous apporter une fibre dédiée et puissante? Est-ce que cette banquette va rester comme ça? Ou est-ce qu'elle va peut-être être autre chose qu'une banquette SNCF? Je crois que j'ai la réponse à une des deux questions. Vas-y, laquelle? Il y a peu de chances qu'on garde cette banquette de merde quand même. Il y a peu de chances qu'elle reste comme ça, ouais. Mais en tout cas, bah... On continue l'aventure. Oh, l'aventure, elle me casse un peu les couilles, là. En fait... Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il y a charbonné, tu penses? Je pense que c'est charbonné, non? Vas-y, je vois. Allô? Ouais, ça se fait, là, ça se fait tranquillement. Là, je suis dans mon bureau, donc on fait vite, on fait au plus vite possible. Faites quoi, les gars? Attendez, j'arrive. Ouais, je suis en appel, là. Qu'est-ce qui se passe? On va juste... Toqué avant d'entrer dans le bureau. Je vous ai pas entendu avec l'acoustique de fou, là. Ça marche. Ok. Là, on est parti, là. Envoyez tu ton décor, par contre. Ça va être grave, mais chaque centime investi, quoi. Oh! Est-ce que tu acceptes de passer dans le vlog qui sera un vlog qui va faire, Cédric, écoute-moi bien, 7 millions de vues? T'es non, gros, t'inquiète. Je vais devenir un star. Ah, ça! T'en as déjà une, Cédric. Je vous ai ramené ça. Ça, c'est le coût en matière pour les bureaux. Pour le isolé, tu veux dire? Non. Juste le bureau. Le bureau, tu m'as parlé d'avant. Ouais, tu sais, genre tout le bureau qu'on met dans l'open space, voilà. Qui est là-bas. Ouais, j'ai pris ça en couleur. Alors après, vous avez vu, il y a des massitudes qui existent. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, avec le béton, qu'est-ce qui serait le plus... Ouais, ce que j'étais en train de me dire. Ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être très sombre ou très noir, quoi. Moi, dans ma tête, je me dis que celui-ci, il est cool si on met un arbre au milieu, comme on voulait le faire, ou même de la verdure. Celui-là, il me plaît bien, moi. Je pense que celui-ci. Le chêne chalet nature. Eh ben, écoute, c'est validé. Du coup, je vois quand est-ce que je peux avoir les matériaux pour ça. Chêne, c'est quoi du coup? Chêne chalet nature. Chêne chalet nature. R2038. Aïe. Ok, j'enlève mon masque, j'ai le Covid, nique sa mère de toute façon. Pardon? T'as dit quoi? Non. J'ai dit j'enlève mon masque. Ah, attends, deux secondes. Ouais, vas-y, c'est parfait. Zba, putata, tu me tues. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est content parce que ça avance concrètement. Là, il se passe que ça fait une semaine qu'on a le local. Ça fait une semaine qu'on a signé le bail et qu'on a le local. Exactement, et du coup, ça y est, les travaux commencent enfin. Donc, tout ce que vous voyez juste ici, totalement disparaître. Vas-y, t'es quoi? Fais-nous le room tour. Je fais le room tour. Ok. Qu'est-ce qui va disparaître? Ce mur-là ne bouge pas. Cette pièce-là, en gros, va pas tellement bouger. Toi, par contre, bouge, fais une petite gestue, toi, par contre. Une petite gestue. Ah. Ok, ok. Voilà, ça fonctionne. Donc Théo, ça bouge, le mur, il bouge pas. Ok. Donc ça reste ici. Par contre, ce mur-là,
première chose qui bouge, ça se dégage. On dirait un gars du BTP. Ok les gars, welcome in my house. First wall is out. Je me dis, petite photo des plans maintenant, histoire qu'ils voient. Ah ouais, s'il y a des plans trop lourds. Ce que vous voyez actuellement sur vos écrans, c'est comment est la surface qu'on essaie de modeler là. Ouais. En fait, on s'est dit, ici, le soleil se couche droit devant. Ce qui fait que quand on arrive vers 16h-17h, on est plein soleil, c'est trop stylé. Ouais. Et on s'est dit, ouais, mais ici, il faut que ça soit l'espace détente. Genre vraiment l'endroit où t'arrives et tu te dis, je ne fais plus rien à partir d'aujourd'hui. Je reste ici, c'est terminé. Franchement, je allez, bouge plus d'un poil. Ultra détendu. Ouais, je suis détendu. Ouais, franchement, cette pièce, elle détend naturellement. Maintenant, imaginez ça avec peut-être des fat boys, des canapés. Plein de décos hyper stylés, hyper smooth, hyper chill. Je sais pas, en fait, on va voir selon des ouais, plans. Alors, c'est le truc, c'est que là, c'est des idées, ouais, c'est des idées qui émergent. On va voir si c'est possible, ce qu'il est possible de faire, comment on s'arrange et tout. Si ça se trouve, ça va être totalement différent. Mais au moins, c'est posé. Ça nous permet aussi de suivre un petit peu l'évolution du projet. Et du coup, on s'est dit, comme on voulait faire un espace détente, il fallait pas que ça soit cloisonné comme on venait de le voir sur le plan. Du coup, on s'est dit, bah, on pète tout. Faut que l'espace détente, on a envie d'y aller tout le temps. Ouais, faut que ce soit spacieux, que ça respire, que ça respire. Donc là, on est pleine lumière, pleine visu, c'est trop bien. Et ce qui permet aussi derrière, alors là, ça va être compliqué de l'expliquer, parce qu'il y a ce mur-là juste ici. Ouais. Et en gros, il va dégager. Ouais. Et vous connaissez pas assez bien les locaux pour vous en rendre compte, mais derrière ce mur, il y a la cuisine. Ouais, vas-y, vas-y. Okay. Dégageons ce grand mur, je leur donne le relais tout de suite. On tombe là. Oh, il y a Cédric aussi. Il y a Cédric qui porte une cloison. C'est vrai. Ouais. Ah mais oui, évidemment quoi. Il y en a des qui fument déjà. Déjà faut savoir que Cédric c'est le boss. Il est là, c'est le boss. Cédric c'est quoi ton entreprise toi? Easy Pose. Easy Pose. Putain. Easy Pose. Bien choisi. Et il y a du courant dans vos cloisons, je savais pas. Il y a du courant? T'as pris le jus? Non mais rien. On le fait tout seul. Par contre je suis pas électricien. Je vais vous le laisser pendouiller pour l'instant. Ouais, tu sais c'est un peu l'idée de la jungle que t'avais là, des lianes et tout. Avec des câbles électriques. Ouais, tu sais c'est pas mal, non, regarde, bang, ça va pendre et tout ça. Ah, mais on était pas au courant non plus que, parce que là il y avait pas de prix. Ah mais de l'autre côté il y a des prises, on est con. Ouais, ouais, on a pas... Je pense qu'on l'imaginait pas comme ça. Vas-y, franchement il y a pas de courant gros. Ça va, parfait. Ça va gros? Les cloisons qu'il y a de l'autre côté on en fait quoi? C'est qui sont comme ça? Alors on a une surprise pour toi Cédric. C'est là, on en fait quoi de ça? On a une ça, surprise pour toi, c'est en gros elle, celle-ci c'est aussi. Elle sauté, ouais. T'as, ça, il y a même pas de... Tiens, j'avoue. C'est normal, vous savez pourquoi? Parce que c'est Easy Pose. Ça aussi Alors ouais Cédric, il y a plein de nouvelles... ça aussi, ouais. Okay, les gens le découvrent en même temps que toi. Ouais, voilà, d'accord. Je sais pas, moi j'y connais rien, mais je me rends compte que les gens ils se rendent compte à quel point le projet il est cool, mais on n'est pas très pro, quoi. On savait pas grand chose. Ah ouais, on sait pas grand chose. Hein. Non, c'est pas... vraiment, là, vous êtes avec nous depuis le début. C'est nouveau, hein. Bon, bah... bon, du coup, je sais même pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que on a la Terra juste ici, et on va péter absolument tous les murs. Voilà. Voilà, tous les murs pour faire un énorme open space de... 76 mètres carrés. Exactement, plus le couloir, donc en réalité c'est même plus grand que ça. On n'a pas compté le couloir. Ouais, mais on va laisser accès au couloir quand même. Oh, attention, j'ai l'impression que... Alors la première ouverture. Ouais, première ouverture. La première ouverture. Ok, premier mur du local qui va tomber. Bon, Jordan n'est pas forcément présent parce que là il taffe. Ouais, je suis en train de bosser, je vais abuser. Premier mur qui va tomber. Bah, Easy Pose. Attends, je savais vraiment filmer à la zob là. Micro. Ah merde, bah tu on peut dire un autre nom. Ouais, on peut mettre en avant. T'as déjà un nom ou c'est pas vraiment. Ouais. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur Easy Pose. Easy Pose, c'est le boss. Mais y'a, retenez bien ce nom. Khazar Création. Merci les gars. C'est trop grave. J'ai trop envie de la péter. Comme toi, c'est pas grave. Oh, tu veux te faire plaisir? Ah, ouais, je veux me faire plaisir de ouf là. Bah, attends, on veut pas la casser, hein. Il faut la récupérer. Bah, c'est de me faire plaisir. Ouais. Oh, on peut en casser une au pire. Allez, ça peut te faire plaisir. On en casse une? Vraiment? Attends, pas. Attends. Là, tu peux. Là, tu penses que là, si je suis pas l'autre à côté, les gars, pas con. Celle-ci là? Celui-là, là, on peut foncer tous les deux dedans, genre? Tu peux. À fond, on a. Vas-y, viens, gros. C'est chaud de nous cadrer, Cédric? De l'autre côté. Je suis pour faire ça. Ok, gros. 3, 2, 1. Oh putain, gros. Je m'attendais pas à ça là. Moi non plus. Je suis désolé, je t'ai pas fait mal. Tu m'as démonté. Mais tu sais quoi? Avec amour, j'accepte. Ça me fait pas si mal que ça. Putain, en plus tu poses en mode lover là. Moi ça va pas. Première. Trop cool. Première cloison ouverte. Oh là là. Ah, ça fait déjà la diff. Hein. Je suis content, je suis content. Ça fait déjà la diff là. Là il y a déjà la luminosité là. Les cloisons que t'es prises, t'en fais quoi? Tu les dégages ou pas? Parce qu'elles auront des trous celles-là. Là c'est les questions, c'est les questions, ouais. C'est nous, on est décisionnaires, mais je sais pas. Mais vas-y, viens, viens, moi, vas-y, je prends une décision là. Vas-y. Je pense qu'elles sont mortes celles-là, techniquement, tu pourras pas les recaler. J'allais dire, on les garde. Bah... Oh, la petite cloison là.
Ça donne envie de... Ouais, genre elles sont... C'est des boxers, toi. C'est solide comment, là? C'est solide comment? Teste un peu la rigidité, un peu. Passez-la. Je prends combien de volts si je tape dedans? 220, quoi, dans... T'arraches les prises, et puis ça disjoncte, c'est au mieux. Mais... Allez, ça marche, quoi. Mais celle-ci, c'est bon, celle-là, tu peux. Celle-là, je peux, donc teste là... un peu la rigidité, genre, là, genre, si je fais genre... Là, si je dis... Tu comprends pas ce que je file, putain de sa mère. Je veux pas te frapper. Je me suis enculé. Ouais, j'ai tapé deux fois. Tiens, vas-y, tu sais quoi, Théo? Ouais, arrête de mettre des publicités sur tes vidéos. Bah pourquoi? Parce que je sais pas, je comprends pas, c'est gratuit pour regarder. Arrête de mettre des publicités, t'en gratuit. Mets beaucoup trop. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si je fais des OP, on se plaint, si je mets des pubs, on se plaint, donc... Comme ça, tu vois, c'est chiant, quoi, genre. Ça va pas bouger d'un poil. Ça va pas bouger d'un poil et ma main, elle est pas bien, là. Oh wow, Cédric, t'as un énervement à faire passer. Et je te promets pas de la traverser. Attends, c'est quoi le nom de la... C'est... Ah, j'arrive pas à venir. Khazar Création. Khazar Création, c'est pas terrible, quoi. J'ai l'impression que c'est une aventure pas terrible. Ouais, quoi? Après... Ça, c'est une patate. Ah ouais, ça, c'est une patate. Ça, c'est une patate. C'est une maxi golden patate, là. Ouais. Non mais là on dirait gros, on dirait One Punch Man, quoi. Ouais, j'allais dire t'as utilisé du nain, là. Ah ouais, non mais là gros, là c'est All Might, là, qui a frappé le... Qu'est-ce qu'il y a dans le mur? Oh, mais une patate comme ça. Mais attends, faut enlever, mais... Ouais, là il faut juste accepter de... Non mais mec, c'est des... Bah si, regarde ma main. Regarde, ça c'est des mains de mecs qui font des chantiers, c'est pas la même. Bah déjà, je te mets une calotte, mes mains elles font le tour de ta tête. C'est une calotte de ses morts que tu mets? Non, non, c'est pas... En gros, regarde. Mais t'as mal à côté. Si tu devais définir nos mains, là, Cédric, tu dirais quoi, toi? Moi j'ai des mains de pianiste. Des mains de pipi, quoi. Des mains de pipi. Bah ça va, ça va quand même, non? En fait, t'as des mains de pipi, je trouve. Là, j'ai une main de pipi, là. Ouais, c'est une main de diamant, quoi. Qu'est-ce que ça, Théo? Je sens que t'es chaud, là. Elle va tomber si tu tapes dedans, vas-y. Ouais, elle va tomber. Ouais, ça sera stylé, en vrai. Même si t'as des mains de pipi, ça sera stylé, gros. Tu me fais une petite voix, s'il te plaît, gros? Mastu. Ouais. Je trouve que depuis quelques temps, tes vidéos ne se résument qu'à des vidéos réactions pas terribles. C'est marrant parce que quand tu déroules ma chaîne, pas tant que ça, tu sais, il y a des clips, des vidéos en voiture, il y a des vidéos. Oui, mais je trouve que tu choisis un petit peu trop la facilité. C'est vrai? Oui. Ah ouais. Je pourrais te comparer à... Vous avez peut-être pas entendu ce que j'ai dit, mais... mais là, je crois que ça l'a énervé, là. Avec tes vidéos réactions de merde, on dirait un gamin. Il fait chaud, hein, c'est ouf, hein, c'est... Waouh. Fou, il fait chaud de fou, là. Waouh. Ah, j'ai peur que ça bouge pas d'un fois, là. Ah non, avec ta main de pipi, tu ne t'en sers que pour toucher... Oui, je m'attendais pas à le péter en deux, ouais. On est 5 minutes après avoir pété le mur, là. Du coup, ça fait pas mal d'espace, mais surtout pas mal de plâtre par terre. Ouais, on s'est rendu compte d'un truc, là, mais en fait... on n'a pas du tout d'aspirateur, mon ref. Ouais, genre, on a pas d'aspirateur. On a pas de balai, pas d'aspi. Non. Mais par contre l'espace, là, même juste la lumière, gros. Ça va être trop beau. Ouais, ça va être beau. Là, sur la caméra, là, c'est ouf de se dire qu'il y aura plus aucun mur. Ah, vraiment. Bon. C'est vrai qu'on a pas fait de bilan, putain. Bah ouais, c'est pour ça, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il est parti, là. Ouais. Au final, au milieu, il s'est dit, bah en fait, les gars, là, ils arrivent à péter des cloisons en main nue, donc il nous a laissé tout faire. C'est ça. Toi, t'as quand même en pété. En gros, bah, reconstruction pour ceux qui veulent. Parce qu'il y a toujours des. Ouais, vous dites ça, après, vous faites pas, machin. Ça saoule un peu, je la crois pas. Mais en gros, tu sais, à un moment, je sais pas si t'as vu, genre, j'étais vraiment chaud. Une, deux, trois, la quatrième, ça part. Ouais, j'ai vu. Et genre, vraiment, mais normalement, tu vois, le coup de poing, il part. Normalement, c'est ça, tu vois. Tu vois, c'est ça, normalement. Ça part comme ça. Que là j'ai pas réussi. Et pourtant à chaque fois c'était le même mouvement, en gros t'as la hanche qui part en premier. Et après, enfin c'est pas vraiment la hanche, c'est... Qu'est-ce que t'as? Allez, vas-y Théo, à ton tour un peu. T'as l'air tout pas bien. En gros Bah parle, oh, anime un peu. En gros là on a... Là... Anime un peu, oh. Fais un petit tour. Vas-y, fais un petit tour. On va s'aimer tous ensemble. Je suis d'accord avec lui, il a tout dit. On vous aime, et vous savez quoi? En fait, j'ai envie de dire un truc, parce que là, je suis en train de me prendre la tête. Tu vas dire des choses? Ouais, je vais dire des choses. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous n'avez pas parfois envie de tout détruire autour de vous et de tout brûler? Ah,
cette flamme qui brûle en toi, il faut la faire ressortir, la faire rugir. Exactement, comme ça. Extérioriser. Extérioriser. C'est un... C'est un premier pas vers cette rébellion. Ne vous laissez pas manipuler par le système. Battez-vous, mes frères. Il faut appeler Samu. Hurlez. Il faut appeler Samu. Criez. Pas de travaux aujourd'hui, c'est tranquille. Bon, quel jour on est là? On est vendredi. Beau gosse. Ah, attendez, il y a quelqu'un. C'est qui le beau gosse? Attends, sonne à l'interphone là et je t'ouvre. Venez, follow us. Venez avec nous. On a un interphone, Tu fais quoi, gros? C'est pas là? Ah, ouais, c'est pour entrer, c'est grand, j'ai capté. Venez avec nous. Oh, ça sonne, ça sonne. C'est le premier invité, c'est le premier invité. Attention, attention, qui, attention, attention. Quelle belle doudoune. C'est qui? C'est Alex, ça? Ouais. C'est Alex le beau gosse, non? C'est Alex le beau gosse. Je l'ai reconnu. J'ai reconnu son petit fiac. Je l'ai reconnu. Ostéo, meilleur ostéo d'Angers. Écoutez, ça fait deux semaines qu'on a signé le bail, là? Ouais. Putain, ça fait pas beaucoup, en fait. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois qu'on a le local. Moi aussi, on y a tellement, on reste tellement longtemps. Qu'en fait, ouais, on a plus de notion du temps. Ouais, ça fait bizarre. Mais du coup, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit le bureau de l'Open Space, mec. Le bureau de l'Open Space qui va être ici. Et qui a été designé et tout machin pour que ça rentre ici. Bref, bureau de l'Open Space qui arrive ici, donc c'est nouvelle step. Là-bas, vous avez vu, ça a été tout ouvert. Première chose que Théo il a fait, genre normalement, tu sais, je sais pas, première chose que tu fais, t'aspires, t'enlèves les débris, les machins. Théo il a acheté un ballon. Vas-y, viens. Vous avez juste ici le meilleur ostéopathe d'Angers. Ouais. Ouais. Ça avance tranquillement, là on est bien content. Et prochaine step, on va recevoir les plans. Là, tout va s'enchaîner là. On va recevoir les plans pour la cuisine, pour. Merde, j'ai envie de jouer au foot. Bon. Bah oui, mec. Wow. Ah, oui, des planches de bois, oui. Ah ouais, ah, ok. C'est pas des petites planches. Mais il y en a beaucoup là pour un open space. Bah ouais. Bon, oh, bah j'ai reçu un appel, moi. Désolé, on doit y aller là. C'est pour ça que j'ai les gars, parce que j'étais chaud parce que là. Ouais, toi t'es chaud toi. T'as des intérimaires avec toi? Ça pèse combien? Une des 26 kilos. Quoi. 26 kilos par plaque. Bon, bah go hein. Allez, les gars là. C'est bon quand même. Bon. Les portes elles sont ouvertes au moins dans les escaliers, les gars. Non, on a rien ouvert. Allez, Joyka. Vas-y, je m'en occupe de ça. Allez, viens ouvrir, dépêche-toi. Allez, c'est parti là. Oui, c'est vrai qu'on peut pas là, je crois. On va voir. Bah, je crois qu'on peut pas. On pourra pas. Attends, on va voir. Mais je peux pas la bloquer en plus. Attends, tu vas. Ça passe. Attends. Ce serait vraiment bien qu'on ait un mec qui fasse rien pour bloquer les portes. Ouais, mais là. Là, je m'en occupe là. Dommage qu'on soit pas la 5, ça aurait été vraiment. Mais qu'est-ce que tu m'en es? C'est chiant, c'est vrai que là, bon, tu imagines, si on avait été 5, imaginez un peu. Je vais chercher du carton dans le local poubelle, j'arrive. Je vais les bloquer à ces portes. Franchement, croyez en moi. Putain, comment je me suis esquivé. Pendant qu'ils sont en train de monter les plaques, je vérifie que tous les équipements fonctionnent, genre là, l'ascenseur. C'est nickel, là, pour l'instant. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui s'occupe de la sécurité. C'est super important, genre là. C'est solide, ça marche. Ouais, ça passe. Hop, les gars. Non, c'est bon qu'à la porte, c'est bon? Ouais, j'ai... 8 fois. Ah ouais, bah je vais prendre le relais sur quelqu'un qui est mort. Tu peux lancer? Attends, c'est lancé. Oui, tu me prends pour qui? Attends. Magnifique. Attends, j'étais cadreur dans une autre vie. Parce que des fois, c'est l'orgueil. Vas-y. Je vais rester main tout pied en mort, mon ami. Vas-y. Putain, j'ai une vue sur ton petit boule, mon gars. Laisse tomber. Oh, ça, c'est pas un boule de boule, par contre. Je te dis, c'est un boule de boule. Update, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas combien il y en a au total, je crois qu'on a fait juste la moitié. Je vous jure, c'est vraiment très très lourd. Regardez mes mains, je sais pas si on verra là. C'est des mains de pipi, comme il dit Cédric. Ah, mais au moins on aura le mérite. On aura le mérite d'avoir monté le futur open space ici. Mais je vais souffler là, je suis mort. On a fini ? On vient de finir, on est dans l'ascenseur, c'est noir. C'est noir ! On a monté toutes les plaques,
Non, en gros, j'ai gonflé un peu. 16, ouais. 10-23. 23 kilos 23 plaques de 23 kilos à monter au 23ème étage. Vas-y, 18 plaques de 30 kilos. Allez, on vient de monter 18 plaques de 30 kilos. On n'en peut plus. Et les gars, là, on a des bras, regardez. Surtout en gros, à la fin. Là, l'angle, il est. Vous voyez, il est un peu. Ouais, putain, le bâtard. Mais tu vois, en plus, c'est le truc, c'est qu'à la fin, les gens, ils savaient pas. On n'a pas pu filmer. On a fait un concours de rapidité. On a monté une plaque. On l'a monté en une minute. Putain, toi, tu sais même plus tellement on les monte et on les démonte, quoi. Putain, t'es chaud. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Juste lave ta voiture, quoi. Genre, vraiment, c'est sale, quoi. Vas-y, je monte avec toi. Je sais pas, pourquoi, mais genre. T'as pas envie de monter dans ta voiture? Ah, flemme un peu. Ah ouais? Ah, flemme. Gros, tu peux. Attends, juste. À l'arrière de ta voiture? Ouais. Côté droit? Ouais. J'ai oublié, je crois, de perdre les lunettes un jour. Tu pourrais me la donner? Je vais aller voir ça. Ah bah, on verra. J'en ai besoin pour conduire, je suis mieux. Ah bah, je vais mettre mes doigts sur tes yeux, genre. C'est super. Tout pris, là. Ah, gros, je peux pas, va falloir que tu galères un peu. Ah, on avance bien avec ce lot, hein. On avance bien. Dernière nouvelle avant que ça cut pour un nouveau jour. Ouais, avant que la caméra tombe surtout. Ouais, il y a moyen ça. Hein. Oh, je pense que ça va arriver dans vraiment très peu de temps. Dès que la caméra tombe, c'est fini, je cut. Donc je vais parler, je vais dire juste que là, on a monté toutes les plaques. On a bientôt l'open space, ça va être incroyable. Ouais, la prochaine étape, c'est les studios. Et je pense que la prochaine étape, potentiellement, ça peut être le grand espace détente. L'espace détente, ouais, de fou. Ah, on a rendez-vous aussi là pour voir avec plein de marques. Ouais, et ça va se finir ici au moment où j'avais une énorme annonce à vous faire. En gros, depuis tout petit, moi j'ai là les boutons sur le. Ah, ça tient. Sur quoi, gros, vas-y. Non mais t'avais une annonce à faire visiblement. Attends, je vais juste tomber la cam vite fait. Ah, ça veut pas, mais ouais, c'est pas possible. Mais t'avais une annonce, vas-y. Ouais, je disais, en gros, j'ai des boutons sur le Zob. Tu fais quoi? Tu l'as eu ton permis ou pas? Ouais. Hop, c'est fait un feu rouge là. Ouais, c'est pour ça que je marque le stop un peu. Des boutons sur le Zob. Alors, genre, tu les soignes. Je recule vite fait. Pourquoi t'es content? J'ai bien l'impression que l'espace détente est enfin clean. Ouh, ouh, ouh. Vas-y, viens, on fait des petites. Vas-y. Oh. J'espère que j'ai pas vidé le ballon. Ça va? J'espère que je l'ai. J'espère aussi. Allez. En plus, le gros, c'était incroyable. Ça fait cut, bang. Bon, regardez ça là. L'espace détente est clean. Il y a des. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends là-bas? Est-ce que ça serait pas l'avancée des travaux dans l'autre? Oh. Trop lourd les travaux. Ouh, les travaux, vas-y. Mec, c'est trop lourd que ça avance aussi bien en vrai. Ouais, c'est trop lourd, ça avance. Vraiment, je suis très content. Mais bref. On est trop content. Je clôture là-dessus. Waouh! Je suis heureux où que j'aille. You can feel the rain. Walk when I wake up. Et aujourd'hui, on est mercredi 14 avril. Et qu'est-ce qui se passe? On a reçu un petit paquet de la part d'un gars. En gros, je vous explique un peu. Attendez. Vas-y, explique. Ah, on entend un petit peu. C'est quoi? C'est des boules de Noël ou quoi? Ouais, on pourrait croire, c'est. Mais on est en avril donc non. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que. Vas-y, on se dit, tiens, il n'y a aucune clé sur les portes. Donc nous, on est là, on demande, c'est. On dit, oh, excusez-moi, allô, on aimerait avoir des clés, des portes. Nous, on se dit, oh, vous nous apportez les clés. Il m'a dit, je vous laisse faire le tri. On va faire le tri, ouais. Je suis heureux où que j'aille! Et du coup, genre là. J'ai pris une clé au pif, j'ai fait le tour du local, j'ai trouvé une clé, donc on célébrait là un peu. Voilà, on est en train de célébrer. Et c'était c'est la clé de mon studio en plus. Ouais, c'est ça. Comme quoi, peut-être c'est la clé de. Bah non, mais moi non, du coup. Update depuis quand là? C'est quand la dernière fois qu'on. Je sais plus la dernière fois quand on avait enlevé tout ça, mais là maintenant c'est bon. Il commence à y avoir pas mal de subway qui sont. Il y a pas mal de subway un peu partout là. Et où est-ce qu'on en est là? Là, on peut montrer l'open space. Ah oui, oh oui, mais attends, mais oui, bien sûr. Oh là 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 là. Alors attention, je précise, il n'y a pas encore de revêtement dessus. Ouais. C'est. Brut. Brut. Derrière cette porte là se trouve l'open space dans lequel vont travailler Louis, Hibou, nos monteurs. Et. Bah, plein d'autres gens chargés de production. Enfin. Plein de gens qui vont travailler ici. Merde. Je vous montre ça, on a fait une table sur mesure. Bang, bang. Une fat table dans laquelle ici il va y avoir. Un bah palmier. Ouais, on s'est dit un palmier. Un petit palmier, ouais. Un petit palmier qui va venir comme ça, bam, jusqu'ici. Hop, là on va mettre des petites feuilles, ça va virer parce que c'est dégueulasse. On va mettre des petites feuilles de palmier là. Ça ouais. Une petite ambiance tropicale. En plus, ça peut servir aussi, là je vois que c'est très solide. Hein. Par exemple, j'ai déjà pensé à plein d'idées, mais genre, si t'as pas. Si t'as pas quoi.
Ouais, bah du coup, là, il y aura un palmier. Et... Bah attends, c'est pas fini. Mais c'est vrai que c'est pas fini, parce que ça, c'est la première partie de l'open space. Franchement, il faut du confort. On veut que ce lieu, ce soit du confort, que les monteurs, ils se posent. Là, il y a une bâche, c'est normal, c'est parce qu'on le protège, parce que voilà. Il n'y a pas encore le petit stratifié qui va venir finir tout ça. Voilà, hibou et Louis, mais après, il y aura une finition. On a choisi quel bois, je m'en souviens plus. C'était... Vas-y. Oh, on l'a filmé, je crois. Le chêne chalet nature. Et là, on l'attend, ça devrait arriver d'ici un mois. Ouais, même un peu moins, je crois. Un peu moins d'un mois. Ouais. Mais bon, ça... Voilà. En attendant, ça n'empêche pas de travailler. Et il y a une deuxième partie dans cet open space qui vient prolonger la table. Et là, ce sera un coin un peu plus... Silencieux, genre. Silencieux, ouais. Pour du coup, la compta, genre, quand il y a... Par exemple, moi, je sais pas, quand je m'achète des Gucci ou des Yeezy à 1 500 €, tu vois, faut les factures. C'est cet endroit-là, quoi. En société, ouais. Société. Tu payes en société, tout ça. Ah, gros, vraiment, c'est le père. Je suis sûr, on va pas revenir dessus. Je trouve ça marchait, je trouvais ça cool. Non, c'est le palmier, t'es gros. Là, tu rentres, t'es. Oh, montage, il est fini, tu te retournes. T'es en train de chier, là. Bah ouais. Ouais. C'est marrant, genre. Ah, je crois que ça va les saouler, en gros. Mais non. J'ai bien réfléchi. Voilà, je fais un truc que beaucoup ont rêvé de faire là maintenant, se mettre dedans. C'est vrai. Pas de mine, il serait comme ça à peu près. Ok. Le prochain, mec, les premières clés du local à avoir été posées sont quand même celles de son studio, quoi. Putain, mais quel studio, Profitez bien de le voir comme ça parce qu'après il va être incroyable. Et juste à côté, il va y avoir un des plus beaux gosses de ce YouTube game. Oh, tu me sauces trop là. Un petit peu, ouais. Thomas qui sera juste à côté. Ouais, j'étais sûr, je vais sortir. Forcément, on peut le faire. J'étais sûr. Mais est-ce qu'on l'a montré ça? Je crois qu'on l'a même pas montré. On l'a dans... même pas montré, non. Ici, là, les deux pièces qui sont là, il y a le mur qui va sauter et ça va représenter mon studio. Du coup, on a deux belles surfaces quand même. Ouais, deux très belles surfaces et on va être côte à côte là, séparé par ce mur là qui va être ultra renforcé, genre acoustiquement. Là, ça va être mon studio du coup. Qui va être... Qu'est-ce que tu fais? Rien, je testais l'acoustique. Ok, bizarre un peu. Tu m'entends par exemple là, si je fais ça? Je crois qu'on va l'entendre très fort. T'as entendu un truc? Un peu léger. Ok. Genre je pense qu'on peut gêner un peu. Bref, il y a zéro isolation acoustique pour l'instant. Et quand on a testé ça, on s'est dit ah c'est cool parce qu'il va falloir, bah en gros vous voyez le plan là, c'est cool parce qu'il va falloir isoler celui-là à celui-là, puis celui-là à celui-là, puis celui-là. Et en fait ça fait ça fait vite cher genre. Genre ça se fait avec de l'argent ça en fait. Ouais, j'ai pas capté sur le moment. Tu sais, nous on fait des devis, on se dit ouais tranquille les murs. Ouais ouais, c'est ça. On a vu une petite somme à 5 chiffres. Donc genre, ouais. Donc là vous savez en ce moment, au moment où on tourne là, on fait plein de vidéos avec Théo. Il y a peut-être des petits sponsors, il y a peut-être des petits trucs. Peut-être par moment vous pouvez vous dire vous avez l'air tout tendu. Ouais vous. Alors c'était l'air tout tendu là. Ouais c'est bien. Ouais ou alors putain il y a beaucoup de vidéos react bizarres. Ah les gars laissez-nous évacuer. Là voilà, mais on est trop hâte que ça sorte. Que vous voyez tout ça. Ouais, que les gens puissent enfin se dire ah ok c'était pour ça, ah ok ouais. On comprend mieux, d'accord, ouais, vraiment. Se passer ça en off, en soum. Quoi d'autre à vous dire? Bah pour l'instant on attend d'avoir des nouvelles sur les travaux parce que c'est le truc le plus chiant parce que là le sol il va changer. Ce que les gens ne savent pas c'est que les artisans ne sont pas forcément disponibles et qu'à partir du moment où on arrive dans la période de l'été ça devient compliqué, du coup il faut attendre les délais. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que les matériaux des fois mettent du temps à être remis en stock, du coup on est là, on attend et puis ça coûte cher et puis on voit aussi au niveau des devis, nanana. Et devinez quoi? Le Covid. Ouais, ça aide bien ça aussi. Ça aide bien pour le pour tout. Projet, c'est grave. Ouais, là on est content, en fait on est trop content d'avoir des super projets comme ça. On a hâte que ça avance et on espère qu'au moins en 2024 on aura notre petit espace. Hein. Ça peut être lourd quoi. Une fois qu'on aura déjà payé plusieurs centaines de milliers d'euros de loyer. On est le 14 avril, vous avez vu un petit peu tous les projets. Là tout est lancé. La suite ça va être les studios, ça va être l'espace qui est ici, ça va être la salle de sport. Ouais. On n'avait pas tout montré cette aile, mais bref, on vous montrera tout ça dans un nouvel épisode parce que là ça fait déjà long, je pense. Et voilà, t'es content de cette aventure? Franchement, très content. Ouais. On y pense tous les jours. Je pense que quand on aura nos studios, déjà ça va être vraiment bien. Ouais, vraiment. Juste le fait de pouvoir se poser dans les studios et avancer, bosser sur place et tout. Parce que là pour l'instant, ça n'a pas grand chose de venir là tous les jours, mais on veut que ça avance, on vient écouter du son quand même, on se pose, on mange là, bref. On va trier les clés et au pire, bah. C'est vraiment des actions nulles quoi, genre trier les clés. C'est vraiment le genre de truc que t'as pas à faire normalement. C'est méga long, y en a. Descendre 66 cloisons en une semaine, c'est où les monter, genre. Bref. Et voilà. Comment on conclut? Je sais pas, gros. Je pense qu'on conclut vraiment de la meilleure des façons, à savoir en faisant une petite outro, en regardant les gens et leur disant merci à tous d'avoir suivi ce petit vlog. Ouais, merci à tous d'avoir suivi ce vlog pilote et ce début de projet. On est trop contents, on a trop hâte de faire toute la suite et on espère que ça vous hype. Le ciao ou pas? Ah, je sais pas s'il est sur ma chaîne ou pas. Au pire, des bisous et merci de nous suivre. On est trop contents. Allez, à plus. Bon, je vous emmène avec moi. On va essayer de trouver les clés qui correspondent au studio. C'est du hasard total. Quoi? Là, théoriquement, si on trouve la 20 et la 19, on a les clés de mon studio.
Oh. Il y a une logique en gros. Tu penses que c'est quoi? J'ai la 23 là. La 23, ça ouais. Attends. La théorie est bonne. Là, tu mets les clés, tu mets la 23 ici et c'est bon. Tiens, je mets la 23 ici. Tu mets la 23 ici. On va voir si la théorie est bonne. Si la théorie est bonne, je te suce. Alors attends, il y a c'est pas si vite parce que tu sais, vu que c'est deux ailes. On est démonétisés, on est démonétisés, on est démonétisés, on est démonétisés. Je suis obligé de relancer la cam. Pourquoi j'ai pas compris encore? Alors je vais te montrer. En gros, j'ai voulu mettre les clés là, ouais. Parce qu'on est en train de chercher depuis tout à l'heure les clés. Et en fait, il y a une petite information sur cette porte. Je te laisse trouver ça. Non mais c'est juste ici gros. Tu vois par exemple, j'ouvre la porte qui est juste ici gros, y'a pas le numéro, t'es fou quoi. Ouais tu penses? Imagine genre depuis tout à l'heure on fait tout le tour des clés pour... Alors que les numéros sont sur les portes. Ouvre la porte. Attends, elle a un problème cette porte je crois. Fais voir, attends, on est juste... Oh, oh bah, ok. Non mais y'en a que deux, y'en a que deux dans le local. Y'en a que deux, vas-y, on fait une autre peut-être. Ah mais ça correspond pas toujours au bon numéro après. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que là c'était les clés numéro 5. Ouais. Je prends vite fait pour voir. Ah là ça tombe bien peut-être. Là ça doit bien tomber je pense. Ah là là, ça je crois que cette action là résume un petit peu... Tout. Ouais tout. Vas-y on speedrun, on les met et c'est terminé là. Nuages. Franchement bien joué, on a toutes les clés? Ouais on a tout là. C'est bon mec. Parfait. C'est l'aventure des clés, j'ai trouvé ça intéressant. Eh bah c'était bien chiant. Oui.